On se retrouve pour la suite du Let's Play sur The Forest. Donc nous allons repartir en mission raton laveur. On va attendre que la nuit tombe, mais en attendant on va essayer d'aller se fabriquer un petit radeau pour pouvoir prendre le large. Et on verra si dans la nuit on a réussi à choper un petit raton laveur. Alors je vais prendre de quoi manger sur moi. Et on va se rendre après sur place. Non, c'est pas ça que je veux, merci. Hop et hop. Alors, je peux pas prendre autre chose. Je vais me refaire quelques petits. Quelques petits molotov au cas où. Voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Ouais, il me reste un seul tissu, donc je vais me le garder de côté. J'ai de quoi manger. J'ai des petits morceaux de viande frais là. Si tu veux bien t'allumer le feu. Il veut plus s'allumer là, c'est quoi ce bug? Ah, merci. Ok, donc est-ce que j'ai des gros morceaux frais aussi comestibles? Ah, ouais, j'avais déjà pas mal de trucs sur moi là, donc je vais déposer ça. Ah, il me reste un morceau de viande frais, mais j'ai plus de place nulle part. J'aurais bien mis un poisson frais dessus, mais. Ok, ça m'a déposé le frais, c'est déjà ça. Alors, j'ai un petit bout de viande. Ok, comestible. Alors, comestible, mais je peux pas le manger. Ok. Ah, c'est très étrange. Même ceux-là, ils sont comestibles. Hein, bien sûr, mais ok, donc c'est. Je peux pas en prendre plus. Bon, on verra bien. Hein. Ah, je vais déposer mes cailloux pendant que ça cuit. Ah, je crois que je suis plein là aussi. Ah, ouais, et puis je peux pas les déposer à côté. Ce qu'aurait fallu aussi, je crois que j'avais capturé un lapin. Donc j'aurais bien installé aussi un petit clapet là. Enfin, du moins une cage à lapin. Alors, je sais pas où elle se trouve. C'est le piège. Ok, on a fait tout le tour. Abri. Cage à lapin. Ok. Ah, je vais peut-être me les mettre. Ah, je vais me les mettre où? Ah, peut-être pas à côté de la peau quand même, les pauvres. Je vais me les mettre le long de la maison. Je vais mettre ma cage à lapin ici. Bon, bah, je vais taper mes derniers bâtons. Voilà. On va aller en rechercher. Ah, je vais choper ma viande avant qu'elle finisse par cramer quand même. Voilà, ça c'est fait. On va manger le deuxième.
Je vais me garder mon eau, je vais manger une petite baie pour l'hydratation. Il n'y en a plus une seule, si là. Peut-être falloir que je les coupe si ça repousse pas. Hein. Ah bah écoutez, on est parti. Hein. J'espère qu'on n'aura pas de mauvaise surprise. Alors là, tous mes pièges normalement sont activés. Donc là, on est bon. Je préfère vérifier. Là, ça a l'air d'être ok aussi. Dans celui-là, il faudrait peut-être que je le termine. Ah, trop de trucs. Alors, je vais reprendre ma lance. Voilà, c'est de la chicorée. Ok, là, il n'y a pas de gadou. Ok, là j'ai mis mes cordes. Ouais, j'espère que cette fois-ci ça ira. On a un copain là-bas. Si vous pouvez partir, tant mieux. Ok, je peux pas prendre plus de cailloux. Donc nous, on va aller choper du. On va aller déjà vers nos petits pièges là. Je vais rallumer mon feu. Ok, normalement là on a un petit lapin. Voilà, on va le ramener à la maison après. On va déchouper du bâton. Non, j'en ai un là aussi qui a. Toujours actif, mais y a rien dedans. Ok, ça c'est bon. Ah, je vais me farcir celui-là, là. Ça, je vais récupérer plein de bâtons d'un coup. Il a du mal à taper quand même, hein. Ok, on est plein. Donc on va d'abord aller se finir la notre petite maisonnette. Alors j'aurais bien récupéré du bois aussi tant que j'y suis là. Histoire de pas faire un voyage pour rien. On va essayer de se dépêcher. J'espère qu'on va être tranquille. J'ai enchaîné sur celui-là direct. Hop, je vais choper ces deux. Ok. Je vais reprendre ma lance au cas où. Donc là, ouais, j'ai encore deux rondins là. Il y a même un troisième qui m'attend. Ah, ça faisait un petit moment que j'avais pas récupéré de bois, donc ah, il est là. Il n'y en a pas d'autres. Non.
Ok. Je crois que je peux peut-être en mettre encore deux. Je vais peut-être pas aller trop loin non plus. J'ai tapé celui-là. Ah, il y a un petit lapin derrière. Je vais pas aller dans mon piège. Ah non, c'est un écureuil. Ah, faudrait que j'aille recherché du molotov aussi, hein. Ah, ça commence. Oh, il m'a fait flipper ce con. Je sais pas si c'est un oiseau qui m'est tombé dessus, un gogol qui a essayé de me mettre des coups de tatane avec ses mains là, mais. Ouais, moi aussi je peux vous embarquer. Je vais aller la faire cramer là. Bah, j'ai deux pièges qui se sont activés. Ok, j'ai un écureuil. Alors, le pauvre, je dois le tuer par contre. Hop, ça, je te lâche dedans. Toi, j'ai pas de choix. Ah non, je viens de buter mon piège. Aïe, aïe, aïe. Faut que je refasse un piège. Allez, dépêche-toi. Je vais te faire pivoter dans ce sens. Là, je vais mettre tous mes bâtons, hein, c'est reparti pour. Ouais, quand t'auras fini de grogner, tu me feras signe. Ah, moi, j'ai plus de bâton sur moi. Ouais, j'ai besoin d'os, monsieur. Tiens, dans la tête, là. Voilà, ça c'est fait. Alors, j'ai pas compris pourquoi mon piège, il s'est fait massacrer. Il y a une plume, je l'ai loupée. Ouais, vas-y, brûle. Ouais, bon, on va rechercher du bout de bois là. Et puis pas des branches, hein. Va falloir que je reprenne aussi maintenant. Non, je suis dégoûté, quoi. Ah, je crois que normalement, je pourrais en mettre encore un. Voilà. Comme ça, on est bon. Ah, par contre, là, maintenant, je suis bon pour me reprendre des petits buissons, là. Il y a plein de branches qui étaient tombées tout à l'heure. Ah, d'ailleurs, j'ai un tronc, là. Je vais me le poser ici. Ah, il y en a un autre qui court derrière. Bah, décidément, ils n'ont pas décidé de me laisser tranquille. Ah ouais, faut quand même que je les surveille un peu là parce que. Je tiens pas à me faire faire tatane dans le dos. Je suis à combien de bâtons là? 18. Je peux en prendre encore 2. Non, je vais te laisser en vie, petit oiseau. Hop, 1. Et 2. Ah ok, c'est le buisson. Ah bah je vais éviter de recommencer à les manger.
Donc là, j'ai mon bois et mes bâtonnets. L'autre piège, on va se le remonter après. Faut qu'on se finisse la petite cage pour le lapin, là, à la base. C'est vrai qu'il y a un corps là-bas par terre. On va aller voir ça. Ah, je vais laisser ça là. Hop. Ça, je l'ouvre. Ça, je vais me laisser ici. Je vais refermer les portes tranquille. Hop, donc notre petite maison pour lapin. Voilà, ça c'est fait. Je vais déposer mes bâtonnets ici. Ah, j'irai en chercher plus tard là-bas. J'aurais bien sauvegardé, mais bon. Donc j'ai cru voir un corps au sol par là. Alors je vais voir s'ils m'ont pas offert un petit cadavre. Ah, c'est bien ce qui me semblait là. Il y en a même deux. Alors je vais mettre à cramer. Il est là. Ah, parce que ceux-là, c'est pas moi qui les ai tatanes. Je sais pas comment ça se fait que des fois, peut-être qu'ils se fritent entre eux et que ça se termine mal, mais bon. Ok, donc là, on a quoi? Ah, mais à force de mettre des coups comme ça, si je peux pas le récupérer, alors faut viser juste. Ah, un petit bâton. Voilà. Le seul problème, c'est que maintenant, je vois plus rien. Alors, on va essayer d'embarquer tout ce qu'on peut à côté. Je sais pas combien il m'en manquait. Et puis ça a du mal à taper, hein. Tiens, là. Non, ça me fait que des feuilles. Alors, il m'en faut combien là? C'est même pas. Il me l'affiche même pas. Je crois qu'il m'en manque deux. Ouais, il m'en manque plus qu'un. Ok, donc ça c'est fait, voilà. Ok, alors là j'ai masse. Alors petit lapin, je vais te prendre. Et je vais te mettre dans ton terrier. Enfin, au moins dans ta petite cage. Comme ça, je vais déposer mes os et puis je vais aller récupérer ceux qui restent, hein. Je sais même pas si on aura le temps de se faire un radeau au final, mais Oula! Ah, il m'a fait sursauter l'autre tartuffe. Attends, je vais te mettre là. Les os. Voilà, je vais aller voir l'autre tartampion qui est en train de défoncer ma maison.
Il est vénère. Ah merde. Bah l'arc, hein. Par contre, non, je vais équiper les autres flèches, moi. Ah, j'ai mes flèches en bois. Oh, il saute le con. Enfoiré, va. Ah, il prend de l'élan, hein. Putain, mais tu les prends les flèches ou quoi, là? Dans les coucougnes. Ah bah enfin, il t'en aura fallu des flèches là. Ah ouais, ok, on peut switch en appuyant sur R. Par contre, j'ai balancé ma lance par là, moi. Ah, elle est là. Ok, nickel. Ah bah écoutez, je vais le récupérer lui déjà pour commencer. On va aller le mettre à cuire. Je crois que j'ai même plus de place pour mettre mes os. Ouais, puis il me faut des tissus pour me faire de l'armure. Donc je vais déjà m'en porter deux, trois même. C'est un peu complicado là, faudrait que j'aille rechercher des cornes, alors faut que je me refasse un panier à os là. Je vais me poser le plan. Ok, alors c'est de l'autre côté. Panier à os. Putain, il me faut 21. Ok. Donc voilà. Ah, je vais essayer d'aller voir si les autres n'ont pas des pop. Ah, il y en a un autre là. Bon, je vais quand même aller voir. Par contre, j'ai laissé la porte ouverte. Ça, c'est pas bon. D'ailleurs, je vais peut-être refaire ça là. On va tout bien checker, vu qu'il a mis pas mal de coups là. Ok, là c'est bon. Faudrait que j'arrive à descendre. Opération commando. Où je commence à être un peu fatigué, alors ça je vais déposer, c'est pourri. Je vais manger un petit poisson et je vais me boire une petite boisson aussi. J'ai en recherché sur le bateau avec de la corde vu que le cycle est revenu. Puis au moins comme ça là j'ai de la stamina. Ah ouais, ok, merde. Et puis ils se sont tous posés près de mes pièges. Ah, faut que je les surveille là parce que. Ouais, non, si j'y vais, je vais être coincé.
Ouais, cramez-vous entre vous là. Loupé. Puis ça rame un peu là. Me dis pas que je viens de déposer ma lance. Parce que moi je voulais équiper un petit caillou là. Je sais plus ce que c'est le raccourci pour jeter des cailloux. Tiens, dans les coucougnes. Wow, là, calmez-vous là. Ah, il s'est fait cramer par son pote. C'est nickel. Allez, recule dans le piège. Oh non! Non! Putain, ils vont m'embarquer alors qu'ils sont tous crevés, c'est n'importe quoi. Ah, j'aurais dû prendre un cocktail de soins. Ah bah j'ai remarqué que j'avais été attaché. Hein. Vas-y, prends la hache là. Ouais, super, je suis dégueulasse et plein de sang. Ah, je vais remonter vers les valoches là. Ah, je vais faire ça comme ça. Hein. Hop. La bombe de spray, je la prends. J'en avais besoin, donc tant mieux. Des piles, du tissu. Le tissu, je veux bien. Par contre, le reste, je m'en fous un peu. La balle de tennis, tu te la gardes. Ah, des médocs. Voilà, hein, je vais en manger un coup. La boussole, on l'a déjà. Ah, bah, je vais manger une petite barre de chocolat. Hop. Par contre, ouais, je descends pas. Hein. Voilà, je me suis lavé. Comme ça, en sortant, j'attirerai peut-être personne. Par contre, on entend du bruit, c'est affolant. Ouais, il y avait des piécettes là, mais il n'y a rien d'autre. Et on peut pas le décrocher. Ah bah, hé. Ah, faudrait pas que je me remette plein de sang quand même. En tout cas, il me fait tomber des sous. C'est une piñata. Ah, puis on entend un truc derrière, c'est bon. C'est quoi, on va remonter. Je vais pas rester plus longtemps en bas. Par contre, ce que je vais faire,
Je vais manger un petit boost énergétique là. Ah, il y a pas mal de vent là. Ouais. J'ai soif aussi. Je vais péter une caisse. Ça, je peux reprendre des boissons. Ah, je suis plein. On va choper des tissus si on peut là. Ah, par contre, le briquet, je peux peut-être le ranger. Ok, les colis FedEx. Non, je peux pas les prendre, j'en ai trop. Fusil éclairante, ok, cool. J'ai pu en prendre 3. Ça, c'est encore des boissons. Ça, c'est de la dynamite. Je peux pas en prendre plus. Vous avez pas de la corde, s'il vous plaît, là? J'ai besoin de corde et de tissu, moi. Sinon, faut que j'aille dans le petit village d'à côté, là. Ah, il y a des tissus, là. Ça, j'ai pas besoin. Là, il y a une corne. Donc ça, c'est bon. Leur corde, il n'y a pas moyen de la prendre là. Bon, là, je crois que j'ai fait le tour. Je vais quand même zioter la baraque au bout là. Les jerrycans, je peux toujours pas les prendre. De toute façon, je n'ai pas. Ah, ils ont pas fait repop tous les tissus là, par contre. Ouais, j'ai pas la tronçonneuse. Je sais qu'on peut avoir une tronçonneuse, mais ok, ça je prends. Bon, on a fait le tour, on va partir. Alors, je vais regarder la carte. Ok, je suis là. Là, je monte. Donc, faut que j'aille par là. Oh, t'es sérieux, gars? Ouais, toi, je vais te défoncer. Je sais pas s'il y a moyen de le faire cramer dans le feu de camp, là. Non. Et puis, je vais pas me le trimballer. Ah, t'es... C'est par là. Enfin, j'ai ramassé des bâtons en chemin. Hein. Je crois qu'il y avait même une barre chocolat. Ah non, c'était de la boue. Ok, je vais me camoufler vu que j'ai plus trop d'armure. D'ailleurs, je vais mettre les deux là sur moi. Ça, je les garde pour plus tard. Ok, ça c'est good. Ok, je suis full au niveau des bâtons. Oula, 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 oula. Je suis passé par au-dessus. Faudrait que j'arrive à zioter la map là. Ah, puis ils me suivent en plus là. Ah ouais, à peine ressorti, j'ai pas envie de retourner dans la grotte, moi.
Je vais descendre par là. Et je vais tomber direct sur le village. Putain, ils m'ont fait flipper les chauves-souris, pareil. Ok, ça je peux pas le prendre. Donc là j'ai mon petit camp de la grotte qu'on avait visité. Ok, nickel. Ok, alors là, je vais refaire le plein de tissu. Ce trou-là, on l'a fait péter. Vêtements de rechange, je m'en fous. Je vais choper les cordes. Bon, j'espère qu'ils m'ont pas suivi. Ah, nickel. J'ai besoin de peau de lézard. Ah, bah voilà. Je crois qu'on est bon. Ah non, je tiens pas à monter, je voulais récupérer la corde moi, mais là c'est pas possible. Où est-ce que je suis maintenant? Par là, je monte. Ok, donc là, il y a... Ce serait le lac là. Là, je m'avance vers le lac. Donc, il faut que je passe derrière le lac. Je crois qu'il y a une plante là. Non. J'ai peut-être rêvé. Ok, on est reparti. Donc, normalement. Là, on est bon. Ça, j'arrive pas à le taper. Ma parole, là, c'est chaud, chaud, chaud. Bon, moi, j'aurais mis ma bonbonne de la corde et du tissu. Je sais pas combien j'en ai des tissus d'ailleurs. Ouais, 13. C'est pas terrible, terrible, mais c'est toujours mieux que rien. Ok, on est où là? Donc c'est par là. Ma parole là, c'est chaud, chaud, chaud. Bon, moi j'aurais mis ma bonbonne de la corde et du tissu. Je sais pas combien j'en ai des tissus d'ailleurs. Ouais, 13. C'est pas terrible, terrible, mais c'est toujours mieux que rien. Ok, on est où là? Ok, donc c'est par là. On va rallonger la côte. Moi, je vais choper les cordes sur le bateau avant de rentrer, comme ça sera fait.
Ah ouais, pas cool quoi. Bon, j'aurais pu Magadou par contre sur moi, mais bon, tant pis. Ah, nickel, il pleut, ça me refera de l'eau. On va retourner voir les pièges, je vais les réactiver. On va se rentrer à la base. Et à la prochaine vidéo qu'on fera, ce sera pour se faire un petit tour au carrage. J'ai trop d'alcool. Je suis combiné. Hop. Non, non, non. Ah bah j'ai faim alors. Je vais faire une petite sauvegarde ici quand même parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait. Ouais, comme ça on est bon. Là j'ai tout pris, il manque que la corde. Ah non, on peut emporter que 4 sur soi. Ah, c'est un peu embêtant. Mais bon. J'aurais pu m'en mettre une en ceinture, une autre pour attacher mon baluchon et en prendre 3 autres dedans, mais bon. Ok. Donc on va vite se dépêcher de retourner voir. Il me restait des os à prendre. Alors, je sais pas si il en restera ou pas, même dans ma base là, vu que j'ai remis un corps à cramer. Donc on va essayer de se dépêcher. Du moins, je vais essayer de me dépêcher. Faudrait que je retourne faire un. Jamais fait gaffe à ce qui se passait quand on se faisait capturer. Parce que je sais, quand on joue à plusieurs, on meurt, on réapparaît à l'avion. Mais est-ce que le loot revient quand on se fait capturer et entraîner dans une base Donc à voir ce qui se passe à l'avion. Ouais, je veux bien le réactiver, s'il te plaît. Bon, bah les ratons laveurs, on ne sera pas encore pour aujourd'hui. Je peux rallumer mon feu, mais il va pas tenir longtemps, vu qu'il flotte. Ah là là, j'ai un zouave qui se pointe ainsi. Ah, je pourrais essayer de récupérer ma bûche, tiens. C'est risqué de faire ça, mais bon. Ce qui est marrant, c'est que je l'avais pas balancé dans l'eau. Mais elle y est apparue. Donc on va se dépêcher. Je vais même y aller en marche arrière. Ils sont peut-être pas contents parce que j'ai réussi à m'échapper encore une fois. Mais bon, je vais pas rester chez eux éternellement. Ok, donc je vais mettre ça ici. Je vais réactiver les pièges devant chez moi. Alors j'ai l'arme là encore, mais j'ai plus de corps. Donc pas cool. Ouais, pas cool du tout. Ok, ça s'est réactivé. Alors je vais voir s'ils m'ont pas tapé mes murs. Je sais pas si je peux réparer les pièges. Si, voilà. Et l'autre. Non, il n'y a pas besoin. Le mur, là. Hop. Là, c'est bon. Et celui-là. Voilà. Là, on est good. La porte, là, ça va. La structure, ça a l'air d'aller aussi. Bah écoutez, voilà, hein.
Là, je pense pas que j'ai besoin de réparer, mais je vais checker quand même. Ah, c'est pour les cordes. Bah, je vais m'en rentrer, hein. Je vais pas rester plus longtemps dehors. Sur ce, bah, j'espère que ce petit épisode vous a fait plaisir, hein. Et ouais, j'aurais même pas vu les os. Là, j'en ai plus non plus. En tout cas, on est bon. Alors, je vais me remplir mon petit bac là. Là, comme ça, il m'en manquera que 5. Hop. Voilà. Comme ça, je pourrais redéposer des os. Alors là, j'en ai plus. Mais bon, voilà. Sur ce, moi, je vais aller sauvegarder. Et puis, je vous dis à la prochaine. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, ciao, ciao tout le monde.